Si vous me le permettez, Monsieur le Président, un mot plus particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Et vous le savez, je regarde ce territoire avec beaucoup de tendresse, mais aussi beaucoup d'inquiétude, parce qu'on a trop souvent oublié que le président Giscard d'Estaing, quelques années avant les événements, fut le premier président de la République à lancer une grande réforme foncière, le plan Dijoux, qui fut la réforme foncière, le premier acte de rééquilibrage entre les Kanaks et les non-Kanaks.